difficile. Bassant a réussi à le reprendre. Voilà, c'est parti pour cette deuxième course, 1365 mètres à parcourir avec à l'intérieur Cape Horn. Pride Rock également bien sorti des boîtes. Pour l'instant, il y a une lutte pour le commandement. Cape Horn, Pride Rock en épaisseur Arctic Flyer, Captain My Captain également bien parti. Ensuite, Ford Nundable, Sarah's Secret, Eight Cities, Wow Holiday. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer bientôt la descente. 1000 mètres à parcourir, c'est Arctic Flyer qui est parti. Sous la bande de Sunil Bassant avec deux longueurs d'avance sur Cape Horn. Captain My Captain à son extérieur. Ensuite, ça mène Pride Rock qui suit tranquillement en quatrième position dans le dos de Cape Horn. Sarah's Secret à son extérieur. À l'arrière, eh bien, Ford Nundable, Eight Cities et Wow Holiday en queue de peloton. Environ 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Arctic Flyer, souvent dangereux dans ces circonstances. Captain My Captain, Cape Horn est déjà sous pression en troisième position avec Sarah's Secret en épaisseur. Pride Rock est en main. Attention à Pride Rock, va bien terminer visiblement avec Eight Cities qui va commencer son effort. Ford Nundable qui perd du terrain. Wow Holiday tente lui de contourner le peloton dans la ligne droite finale avec Arctic Flyer, Captain My Captain et Cape Horn vont maintenant s'amener. Arctic Flyer avec Captain My Captain, Sarah's Secret à l'intérieur. Il y a Pride Rock également, Captain My Captain, Pride Rock qui termine fort côté corde. Pride Rock qui se montre pour l'instant le plus fort. Eight Cities, Wow Holiday complètement à l'extérieur. Pride Rock, Sarah's Secret, Pride Rock s'impose. Sarah's Secret, ensuite Eight Cities et les autres. Pride Rock monté par Kessler Amsami qui s'est retrouvé ce coursier. Pride Rock. Oui, déjà la manière dont il avait terminé la dernière fois avec Sunil Bandhu nous donnait une claire indication du regain de forme de ce cheval. Et là, il a eu donc la bonne inspiration, Kessler Amsami, d'opter pour l'intérieur à l'entame du dernier virage. Alors, Arctic Flyer et Cape Horn s'effaçaient graduellement. Sarah's Secret et Captain My Captain revenaient bien, bien fort. Pride Rock à l'intérieur tenait bon et complètement à l'extérieur. Regardez la très bonne fin de course du jeune coursier de l'écurie Alette.